Dans cette région sont associés à une roche particulière, l'altérite. Mais qu'est-ce que l'altérite? Il y a quelques millions d'années, au tertiaire, la région était plus chaude et plus humide. La végétation prospérait sur les roches. L'eau de pluie, acidifiée par la matière organique, favorisait la dissolution de la partie calcaire, conduisant à la formation d'une roche résiduelle, tendre, argileuse et ferrugineuse, appelée l'altérite. Voyons maintenant le mécanisme des glissements. Les roches meubles, gorgées d'eau, sont plastiques. Sous l'effet de la gravité, elles ont tendance à fluer. Un plan de décollement apparaît et la masse argileuse se met en mouvement. Ici, un affleurement plus complexe avec plusieurs loupes de glissement. Une première, au fond, surlignée en bleu. Une seconde, surlignée en vert. Le tout, partiellement recouvert par la nappe surlignée en rouge. Ainsi donc, les glissements de terrain sont essentiellement dus à la nature de la roche mère qui conditionne l'épaisseur d'altérite et aux eaux d'infiltration qui déstabilisent les argiles.